Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Audi Q5 dans sa version Sportback. Donc on va parler du Q5 en général, mais aujourd'hui la version Sportback c'est juste la petite différence sur l'arrière. On l'a en version 55 TFSI-E, donc hybride rechargeable, donc plug-in hybride si vous préférez, qui fait quand même 367 chevaux là-dedans, dans les hybrides. Ça, c'est le gros avantage des hybrides rechargeables, c'est que ça devient très puissant et ça devient très sympa. On va, comme d'habitude, faire le tour du véhicule, présenter en détail, faire un test d'autonomie, donc on est en partie avec 100% de la batterie, et voir, puisque c'est annoncé pour entre 56 et 61 km, voir combien je vais faire avec la batterie. Attention, bonne surprise. J'ai réussi à faire... Non, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Bon, on commence par l'extérieur, les caractéristiques, l'intérieur, et ensuite, je vous emmène faire un tour. On va faire en gros de Paris à Fontainebleau et essayer tout type de route comme d'habitude. C'est parti. Alors, le Q5 a une voiture très connue de chez Audi qui se décline maintenant dans cette version Sportback. Donc, elle existe bien sûr toujours avec le bout du toit, donc un petit peu plus long et un petit peu plus haut, donc comme on avait l'habitude sur le Q5. Et cette version Sportback qui amène, bah, comme le mot l'indique, un Sportback, un petit peu plus de sportivité, donc des SUV coupés qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Il y a plusieurs motorisations, on a le choix entre deux diesels ou deux essences, soit 35 TDI qui fera 163 chevaux, soit 40 TDI qui fera 204 chevaux. Ça, ce sera les diesels. Ensuite, on a le 55 TFSI-E et le 50 TFSI-E également. Le premier, donc 55, c'est le modèle d'aujourd'hui, 367 chevaux, et le 50 TFSI-E lui fera 299 chevaux, ce qui est déjà largement raisonnable. Au niveau des tarifs, on commence à partir de 49 800 euros, donc en gros à partir de 50 000 euros. Ce qui est bien ensuite sur les versions E, c'est qu'en fait, il n'y a pas de malus, il n'y a rien du tout, les cartes grises des hybrides rechargeables. En Ile-de-France, c'est 12,72 euros, quelque chose comme ça, ou 13,72 euros. Ça, c'est un gros avantage. Pareil sur les véhicules de société. Normalement, pas de taxe sur les véhicules de société. À confirmer, mais il me semble que c'est pareil puisque c'est une hybride rechargeable. Ça, c'est vraiment un plus pour ces voitures. Et ensuite, un modèle comme on a aujourd'hui, ça sera aux alentours des 70 000 euros, plus ou moins selon les options que vous allez choisir. Il sera disponible en 12 couleurs, donc on a quand même pas mal de choix. Moi, j'adore ce bleu-là. C'est un petit peu le même bleu, je pense, que ce qu'il y a sur la Golf R. Ça y ressemble énormément. Et je le trouve vraiment sublime au soleil, même le soir. Ça change un petit peu les teintes selon la lumière. Je le trouve ultra agréable à regarder. En plus, avec les étriers rouges comme ça, ça donne vraiment ce look sportif à ce Q5 Sportback. Au niveau des caractéristiques supplémentaires ensuite, donc les moteurs, ce sera des 2 litres à chaque fois. Au niveau du poids de la voiture, on sera entre 2 tonnes et 2 tonnes 2. C'est des gros bébés. En plus, avec les batteries, ça rajoute un petit peu de poids. Au niveau des dimensions, on sera sur un véhicule qui fait 4,69 m de long, 1,90 m de large sans les rétros et 1,66 m de haut. Au niveau de la hauteur du véhicule, il peut varier puisque là, on a les suspensions qui s'adaptent avec la hauteur de caisse variable puisqu'on a une version donc 55 Quattro. Quattro, comme vous connaissez chez Audi, ça veut dire les 4 roues motrices et on a un mode all-road et tout-terrain ou off-road all-road, donc qui permet que la voiture se lève ou se rabaisse. Donc c'est pareil, on peut le faire dans le coffre aussi lorsqu'on veut charger les choses, on a un petit bouton. Si on est un petit peu plus petit ou c'est plus dur à soulever, on appuie sur un petit bouton, le coffre arrière se baisse. Ça, c'est quand même sympa aussi. Pendant qu'on était sur l'avant et qu'on parlait des moteurs, les moteurs, on a donc le moteur électrique plus le moteur thermique. Le moteur thermique, lui, c'est le 2 litres. Essence qui fait 265 chevaux et le moteur hybride fait lui 143 chevaux. Donc quand on roulera en full électrique, on aura 143 chevaux, ce qui est largement suffisant pour le quotidien. Et en puissance cumulée, ça nous donnera ces 376 chevaux. On verra que c'est largement suffisant et même au 0 à 100, la voiture s'arrache comme jamais. C'est impressionnant à quel point ça marche. Avec la batterie, donc on a une batterie 14,4 kWh. Elle est donnée pour aux normes WLTP entre 56 et 61 km d'autonomie. On verra pendant l'essai ce qu'on va faire. Donc, bonne surprise pour moi. Je suis agréablement surpris parce que c'était quand même très facile à utiliser. C'est simple, ça marche bien. Il y a du répondant avec ses 143 chevaux. Et l'autonomie, bah, c'est très bien. Au niveau de la recharge, on n'a pas de chargeur rapide sur cette voiture. Donc, on a deux trappes. On en a une de ce côté, une de l'autre. Souvent, c'est à l'avant. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les deux sur la partie arrière. On a
en recharge jusqu'à 7,2 kW. Donc pas de charge rapide, ça c'est dommage, sur un véhicule premium. J'aurais bien aimé peut-être qu'on puisse charger un petit peu plus rapidement. Range Rover par exemple le fait sur le Velar PHEV, on peut recharger plus rapidement. Donc 7,2, ça mettra quelques heures à charger, entre 3 et 4 heures souvent, pour pouvoir en une charge complète ou à la maison un petit peu plus de temps. En électrique, on peut rouler jusqu'à 135 km/h, donc on peut aller sur autoroute avec. L'autoroute, c'est pas le terrain de prédilection des voitures électriques ou des hybrides rechargeables, mais par contre, pour la ville, ce sera franchement l'idéal. Sur l'avant, et regardez, avec ce soleil, il a ce plan, je le trouve très très joli. On a donc ce capot énorme en bleu avec là vraiment des lignes qui repartent ici, donc c'est vraiment pincé sur la carrosserie qui donne cet aspect là beaucoup plus énervé que juste une simple ligne qui ressort. Là, c'est vraiment le fait que ce soit pincé, ça remonte de cette façon et c'est très très joli. Sur l'avant, donc la calandre single frame Audi, donc là en full noir, ça va super bien avec ce bleu, juste les anneaux chromés, même avec les anneaux noirs, ça aurait été encore plus agressif. Je le trouve sympa comme ça, moi. On a donc cette calandre single frame, donc plastique, qui est aérée, donc ça donne ce côté un petit peu sportif aussi de faire rentrer de l'air, un petit peu comme sur la R8. Et même le capot, il me rappelle un petit peu celui de la R8, c'est très agréable. Donc les anneaux ici, là on peut avoir en option les caméras 360 que je n'ai pas aujourd'hui, la plaque. Sur les côtés, on voit ici les boules. Donc ça, c'est pour les aides à conduite, la conduite de niveau 2, donc avec le maintien dans les fils et le régulateur adaptatif. Ça fonctionne grâce à ces boules, ça c'est les radars. Un petit peu comme chez Porsche, sur une Panamera par exemple, on peut les voir ici. Je trouve ça plus joli que par exemple sur les R6, ils ont mis là, ou la 6, j'aime pas du tout. Là, je trouve ça discret et c'est plus joli, ça amène un petit côté design en même temps. Ensuite, ici en appareil de l'air, les capteurs de parking et comme vous pouvez voir, une garde au sol assez importante. C'est un SUV, en plus surtout avec le mode off-road, on va essayer de passer partout. Donc c'est bien que la voiture soit assez haute. Alors je vais essayer de vous trouver, je vous mettrai en bas si j'arrive à trouver les hauteurs de caisse qui sont variables. Là mon plastique ici, donc ça c'est un plus si on fait un petit peu de off-road. Et ensuite c'est peint partout, à part ça il n'y a pas de plastique désagréable autour de la voiture. Sur l'avant également, on a aujourd'hui les feux Matrix LED, donc avec la luminosité ici pour les feux de jour, jusqu'ici, donc on a pareil le clignotant défilant, donc qui va venir remplacer ça, et les feux qui sont bien sûr adaptatifs, qui se passent bien sûr en plein feu de nuit, etc. Donc ce qui est bien, c'est que Audi, ils savent faire des phares avant très très sympas. Même de nuit, je vais vous montrer l'animation, c'est très joli comme toujours. Sur les côtés, ça, c'est les fausses entrées d'air, c'est juste vraiment pour le côté esthétique. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas des vrais ici pour le côté aérodynamique, comme il se fait beaucoup sur les nouvelles voitures. Mais en tout cas, c'est très très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, sur le côté, on reconnaît bien là cette version Sportback, donc avec l'arrière qui plonge comme ça. Ça fait un bel arrondi, tu vois, c'est une belle courbe. Et toujours, c'est long béquet ici, donc un petit peu aérodynamique. Celui-là, un peu plus travaillé pour donner ce côté sportif et avec des touches noires juste ici, pareil. Autour des fenêtres, c'est du noir brillant tout le long. Noir brillant, pareil les montants ici. Vitre arrière surteinté, comme ça se fait quasiment sur toutes les voitures de nos jours. Là-haut, une toute petite antenne requin, mignonne. Des poignées type frigo, avec pareil, lorsqu'on touche la poignée, ça va fermer le véhicule. Rétro biton, donc plastique en bas, couleur carrosserie sur le dessus avec le répétiteur ici à LED. La finition que vous avez là, donc finition S-Line, c'est pareil. On a tous les types de finitions, hein, comme d'habitude. Donc, que ce soit du design jusqu'à la Avus pour le plus haut de gamme ou en passant par cette S-Line pour le côté un petit peu plus sportif. Sur le côté, comme on peut voir, c'est un petit peu les codes du SUV, mais merci sur du premium de ne pas avoir mis les arches ici couleur noire, donc couleur peinture, ça fait vraiment plus classe. On a les petits rappels ici là pour l'eau, pour pas que ça aille partout, mais par contre voilà, c'est peint juste ici, la couleur différente sur le bas. On n'a pas vraiment le design d'un 3008, quoi. C'est ça qui est cool. Au niveau des jantes, on aura le choix du 18 au 21 pouces. Aujourd'hui, on est en 21 pouces, en 255 de large aux quatre coins. Le 21 pouces, ça remplit bien bien les arches de roue, c'est très joli. Et au final, ça reste quand même assez confortable avec ces suspensions adaptatives, donc qu'on peut régler. Les freins qu'on a ici à l'avant, ça ferait pâlir une Porsche presque. On a du 6 pistons, d'énormes disques avec 6 pistons à l'avant et à l'arrière, on a un monopiston, puisque ça suffit. Et au final, on a quand même la régénération d'énergie, etc. avec le quattro. Au final, les freins, on s'en sert
pas tant que ça. On verra pendant l'essai à conduite un petit peu dynamique, voir ce que ça donne. C'est puissant, c'est pas ultra mordant, c'est pas des freins sportifs, mais ça va arrêter le véhicule. Côté gauche, donc côté conducteur, ici, on a la trappe pour la recharge. On peut bien sûr programmer sa recharge, comme je disais, jusqu'à 7,2 kW en puissance de rechargement. Et de l'autre côté, on a la trappe à essence. Au niveau de l'essence, on pourra mettre 54 litres, ce qui m'affiche, moi, au tableau de bord, 450-460 km d'autonomie, plus les 60 annoncés en électrique. Des avantages des voitures hybrides rechargeables, c'est qu'il y a des réservoirs un petit peu plus petits. Mais par contre, l'avantage, c'est que si on recharge tous les soirs à la maison, en fait, on n'a vraiment pas besoin de faire le plein assez souvent. Ça, c'est un avantage de pouvoir rouler en électrique. Et il y a beaucoup de gens qui roulent énormément en électrique, qui font des fois 2000, 3000 km en étant à 1 litre ou 2 litres au 100, puisqu'en fait, on n'utilise jamais le moteur thermique. Ça, c'est un vrai plus. Sur l'arrière, donc on le voit bien là, ce côté Sportback avec l'arrière qui tombe ainsi. Le long becquet qui intègre le troisième feu stop. L'essuie-glace ici, ultra pratique parce que la vitre, elle est tellement inclinée qu'on pourrait limite poser des choses dessus. Ici, on n'a pas vraiment de becquet. J'aurais bien aimé peut-être un petit becquet qui finisse bien cette partie-là pour relever un poil l'arrière. Le logo Audi, toujours ici avec les anneaux chromés. La caméra de recul qui se trouve ici. Plaque Q5, le rappel de ce que vous avez pris, 55 TFSIe Quattro. Ici, un petit peu de plastique, là sur le bas, avec quand même ce bandeau qui est peint. Ici, donc, on a bien sûr du full LED, je pense, mais non, même pas. On n'a même pas de full LED ici. Je suis un petit peu déçu, là, par contre. Une ampoule ici à l'intérieur. Bon, le reste... Ah non, ça aussi, c'est en ampoule. Un petit peu déçu là-dessus. On aurait pu finir le tout en full LED, comme les feux. Donc là, ici, on a les feux Charisma LED. Ça, c'est une option qu'on peut prendre. Donc, pareil comme les feux Matrix LED à l'avant. On peut choisir l'intérieur ici. Donc, c'est plein de petits pixels ici qui vont s'allumer. Et alors, selon quand je suis à côté de la voiture ou pas, je vous montre, je vous fais une vidéo de plus proche. Mais quand je suis à côté de la voiture, ça s'allume entièrement. Par contre, il faudra personnaliser ça en usine. Normalement, on ne peut pas changer après. Et lorsqu'on met le mode dynamique, ça change le design ici. On a bien sûr le clignotement à défilement ici. Donc, une sorte de diffuseur arrière là. Alors, on a quand même une voiture puissante, mais on n'a pas de pot d'échappement. Ça aurait pu être joli, quand on a quand même 367 chevaux, d'avoir des échappements, même si c'est une hybride rechargeable. J'aurais bien aimé sur au moins la finition S-Line. Au niveau du coffre, donc, haillon automatique. Et dans le coffre, donc, j'ai la plage ici qui se rabat facilement. Et j'aurai, c'est marqué juste en dessous de la caméra, 465 litres de coffre. Donc 465 litres pour vous représenter ce que ça fait. Hop, je peux rentrer. Je suis plus très souple, moi. Voilà. Bon, la version Sportback, on perd quand même une partie du coffre ici. C'est pas énorme non plus comme coffre. On a de la place. Après, il y a les batteries sous le plancher, donc on perd l'espace ici sous le plancher également. On peut rabattre les sièges donc en 40, 20, 40. Ou sinon, lorsqu'on tire sur la petite languette ici, ça rabat les sièges donc en 40-60. À l'intérieur, on a toujours des petits rangements sur les côtés et des LED qui éclairent l'intérieur du coffre. Ici en dessous, on a une sacoche de quoi ranger les câbles qui s'accrochent avec des mousquetons. Ça, c'est vraiment top qu'ils aient pensé à ça. Ça permet que la valise ne se balade pas dans le coffre lorsque vous êtes en conduite dynamique ou même en conduite normale. Mais une autre chose très sympa aussi, c'est lorsqu'on appuie sur ce bouton, comme je vous disais, ça va baisser la voiture si on doit charger plus facilement quelque chose de lourd, par exemple. Alors, à l'intérieur, à l'arrière. Donc, lorsqu'on rabat les sièges ici, on a quasiment plancher plat. Alors, ça remonte, comme vous pouvez le voir, il y a une légère pente d'inclinaison. On a les fixations top taser ici. Cette partie qui peut se désolidariser de celle-ci. Donc, plutôt que d'avoir la trappe à ski, on a vraiment le gros compartiment ici qui peut s'ouvrir. Hop, que je peux rabattre de cette façon. Donc les sièges ici, on peut les incliner sur deux positions, là ou là. Ok. Hop, je rentre. Alors je rentre plutôt facilement. Et quand je rentre, tout de suite, j'ai de l'espace. Je me ferme la porte. Portière bien finie, ça j'aime bien. C'est un petit peu moussé là-haut. C'est pas trop dur, il y a une belle finition.
petit accoudoir en cuir, l'alcantara là dans les portes, ça c'est super sexy. Mon accoudoir ici, donc avec une petite poignée pour l'ouvrir, ça c'est un vrai plus. Et lorsque je suis là, moi je suis bien, j'ai de la place à la tête. Comme vous pouvez le voir, là, il me reste encore... Ah, quoique quand je vais vers le fond, j'ai ma tête qui tape ici là. Donc en gros, il faut que je reste comme ça. Ou sinon que je mette mon appui-tête et que j'aille pas trop en arrière. Parce que si je vais en arrière, ça me touche le haut de la tête. Parce que donc ça a été creusé ici. Et par contre, on peut pas aller tout au bout. Bon, avec l'appui-tête, je suis bien. Au niveau des jambes, le siège est réglé pour moi. Je fais 1m80. Et regardez, il me reste encore de l'espace. Alors, pas une main complète. Mais je suis bien sous le siège. Il y a de la place. J'ai vraiment de la place là pour mes jambes. Je suis bien. Les sièges, donc c'est une sorte d'alcantara ici, très joli. Bon maintien latéral, puisque c'est creusé dans les sièges. Ça, c'est un vrai avantage. Je suis bien. La troisième ceinture, elle est là, sur la banquette, pour la place d'ici. Sa petite ceinture à lui, elle coulisse comme ça, oh, comme toutes. Très sympa. Les fixations ISOFIX et Top Taser, donc sur les deux sièges à l'arrière. Et ici, donc, on a un énorme tunnel central. Regardez, ça m'arrive limite au milieu du tibia. Bon, ok, là, je veux bien qu'il y ait un tunnel central, puisqu'on a quand même une transmission quattro. Par contre, il faut bien l'enjamber. Et cette place ici. Alors, cette place ici, j'aurai la ceinture. Une fois qu'elle est relevée, ça va, elle ne me gêne pas. J'ai de la place, hein, je ne touche même pas le plafond. Par contre, je sens que je suis plus haut que les autres. C'est assez ferme au niveau du dossier, comme des fesses. Alors, les fesses, au final, l'assise, elle n'est pas trop mal. C'est surtout le dos où ça va être un petit peu dur. Ici, donc, hop, j'ai la clim, donc trizone, deux réglages à l'avant et vous avez un réglage pour les personnes à l'arrière. On a deux aérateurs, on a deux ports USB ici, donc type A, une prise 12 volts avec un allume-cigare si on veut. C'est rare que les enfants fument à l'arrière. Et deux filets ici. Du plastique à cet endroit-là pour ne pas trop abîmer le cuir et du cuir qui englobe tout le reste. Bon, on est pas mal à l'arrière. Je m'attendais à être un petit peu plus enfermé dans le Sportback. Et au final, bah, je suis plutôt bien. C'est un petit peu sombre, j'aurais choisi moi une teinte claire. En plus, vous imaginez intérieur blanc crème ou blanc avec cet extérieur bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aurais adoré. Alors, pour l'avant, je rentre facilement. Le plancher n'est pas beaucoup plus bas après que le seuil. Je rentre, je m'installe. Et là, je suis à la meilleure place de cette voiture, donc à la place du pilote, du conducteur. Parce qu'on ne va pas piloter non plus. Voilà ma position de conduite. J'ai tous les réglages. Hop, je peux monter, descendre. On peut bien sûr avoir les sièges full électriques. Ça, c'est une version un petit peu spéciale qui a servi aux essais presse. Bah, je suis vraiment bien. Hein. Franchement, le volant, il est rond cette fois-ci, palmé plat. On peut choisir pareil plein de volants, comme plein de jantes, comme plein d'intérieurs, comme plein de personnalisations ici, comme plein de sièges. On a vraiment le choix. Alors ça, c'est bien chez Audi, c'est qu'on a vraiment le choix de ce qu'on veut. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que ça coûte cher souvent. Donc, je vous fais l'entrée à bord. On a le petit seuil ici, Audi qui s'allume de nuit, donc avec la finition S-Line, donc c'est éclairé en LED. C'est joli. Hop. Donc, je vais me reculer pour vous donner un petit peu d'espace. Lorsque je recule, j'ai énormément de place. Regardez l'espace que j'ai là-bas jusqu'aux jambes. Je pourrais faire 2 mètres. Sur la gauche, donc ici, j'ai du cuir un peu plus bas. Un grand rangement que je peux mettre une grande bouteille, 1,5 litre, ça c'est un vrai plus. La trappe à essence, ouvrir le coffre d'ici. Les fenêtres, impulsion sur toutes les fenêtres. Les réglages ici, avec le dégivrage des rétroviseurs. Les rabattre. Et le réglage, ensuite, on choisit avec la petite molette, le petit joystick. L'alcantara ici, comme à l'arrière, ça c'est très agréable. Finition, imitation en brossé et cette partie un peu plastique moussée. La poignée, toujours chez Audi, ici, le verrouillage. À gauche, un aérateur. Ici, pour les feux, là, en appuyant comme ça, on peut régler, grâce à la petite molette ici, la luminosité de l'instrumentation, et hop, on la range. Les feux, on a bien sûr le mode auto et ensuite on peut allumer comme on veut. Après, on a les anti-brouillards ici. Au niveau du volant, donc comme je disais aujourd'hui, on a un volant qui est rond. Ça devient de plus en plus rare, les volants ronds. Finition S-Line, donc cuir perforé sur les côtés, ça c'est très agréable.
et un cuir lisse ici qui est bien doux. Le klaxon juste là. Sur la gauche, on a de quoi faire défiler les menus là-bas. Donc ça, on peut faire défiler. Ensuite, on a View pour avoir la vue soit en plein écran. Donc comme on peut le voir, là, c'est très joli avec l'affichage satellite. Ou je peux revenir à la radio ou à un écran un peu plus général. Ou de cette façon, avec toutes les infos. Moi, j'aime bien avoir toutes les informations. Ici, ensuite, on peut faire défiler les informations qu'on a au milieu de l'écran. Donc avec les aides à la conduite, etc., les consommations, l'autonomie restante. On n'a pas de jauge, on l'a comme ça. C'est plutôt pas mal aussi. Et voilà en gros tout ce qu'on a. Ici, la réserve de puissance, ce qu'on utilise en pourcentage. Le contour ici en tout petit en bas. Le compteur de vitesse ici. À droite, c'est pour commande vocale, décrocher au téléphone, une touche favori et changer de musique. Derrière le volant, on a des palettes, moins et plus. Ça, c'est pour jouer avec la boîte qu'on a. C'est pas de la récupération d'énergie. Alors, dommage qu'on n'ait pas de mode récupération d'énergie sur cet hybride rechargeable. Derrière le volant, clignotant. Ça, c'est le bruit du clignotant. Appel de phare. Et ici, c'est pour activer les aides à conduite. Donc, on voit en dessous du compteur à droite, activer le maintien dans les lignes ou pas. Ici, c'est pour le régulateur. Donc, on voit que là, ça m'a activé le régulateur. J'active ou désactive et ensuite je règle ma vitesse. Donc grâce à ça, je descends plus ou moins de vitesse, la distance comme ça, sur ce tout petit bouton. Et je peux régler de cette façon et j'ai le limiteur ici. Et hop, je peux annuler derrière. À droite, essuie-glace avec bien sûr le mode essuie-glace automatique. Voilà pour le volant. Donc je vous remontre cet écran ici. Sur la droite, aérateur avec un deuxième écran. Donc on a un écran tactile juste ici qui fonctionne plutôt bien. On a un bon répondant. Hop, on peut avoir la navigation également. On a ensuite les radios, le téléphone. On peut connecter son téléphone en Apple CarPlay, en Android Auto, les médias, les radios, etc. La touche warning. Pareil, ah oui, dans le véhicule, je vous montrais ça. Donc on a le véhicule, les réglages du véhicule. On peut avoir le Audi Drive Select. Donc celle-ci. Elle a, comme je vous disais, le mode off-road, le mode all-road, le mode efficiency, le mode confort, le mode auto, le mode dynamique et le mode individuel. Individual, donc en individuel, on peut personnaliser. Juste ici, propulsion, on a le mode économique, équilibré, sportif, suspension, pareil, direction, pareil. On choisit un petit peu ce qu'on veut. Et après, donc, comme vous pouvez voir ici, il y a une touche relever. Si j'appuie dessus, ça va me relever ou abaisser la voiture. Donc je sens là que dans la voiture ça bouge, je vais vous montrer de l'extérieur à quoi ça ressemble, mais la voiture va monter ou descendre. Ensuite, en dessous, on a le bloc clim ici, donc tout est en physique, ça c'est vraiment bien, parce que le tactile, je trouve pas ça forcément bien pour de la climatisation. Donc on règle la température ici, on peut synchroniser les deux, on peut avoir le mode auto, régler plus ou moins vite ici, ici on choisit ce qu'on veut, donc là c'est synchroniser les deux. Et ensuite, on a les sièges chauffants de chaque côté sur trois positions, ici ou ici. Là, on a le Drive Select qui nous permet de choisir donc, nos modes de conduite, donc le Drive Select via ce bouton. Le mode EV qui va nous permettre ici de choisir quatre modes. Donc là, j'ai plus de batterie puisque j'ai fait l'essai juste avant. EV, donc lorsque je dis EV, conduite en mode électrique. Donc EV, ça va être le mode full électrique, auto-hybride, ça va fonctionner comme une voiture hybride de base quand on n'a plus de batterie ou lorsqu'on a la batterie pleine, ça va d'abord consommer la batterie, ensuite de cette façon. Le battery hold, ça c'est pour conserver la batterie. Ça veut dire que si vous avez 100%, vous voulez prendre l'autoroute et vous voulez arriver en ville avec 100%, vous faites battery hold, ça va garder l'autonomie que vous avez. Et battery charge, ça va démarrer le moteur tout le temps pour charger la batterie avec l'essence. Ça, ça consomme beaucoup plus, je ne vous le conseille pas forcément. Ensuite, désactiver le SP ici. Ça, c'est pour la caméra de recul, l'activer de cette façon ou désactiver les bibus de parking. Ensuite, on a LED au descente de côte et ensuite éteindre notre écran. Hop, donc là, par exemple, je vais le désactiver. Je touche et appuie brièvement sur l'écran pour l'allumer. Donc là, ça me l'éteint, ça me le désactive si je veux pas qu'il soit allumé. Et ensuite, pour le rallumer, j'ai juste à le toucher. Le bouton pour démarrer la voiture. Ici, on a un endroit où on peut mettre son téléphone par exemple, de cette façon. Alors ça dépasse un petit peu, mais c'est plus un vide poche ici. Le port USB, donc pour connecter l'Android Auto à l'Apple CarPlay. La petite prise 12 volts ici.
ou la MCGAR, cette partie donc, de la console qui est en brillant, c'est joli. Ici, un petit vide-poche également encore. Ça, c'est pour la radio. Ici, alors, cet endroit est sympa, mais on ne peut pas mettre vraiment un stylo et on ne peut pas mettre vraiment un téléphone de nos jours. Alors, soit on peut le mettre comme ça, mais on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Ensuite, le sélecteur de rapport ici, donc la touche parking, de cette façon. Pour passer en drive, je tire vers moi. Si je retire une deuxième fois, je passe en mode sport. Si je bascule sur le côté, je passe en séquentiel. Plus comme ça, moins comme ça. Hop, et là je repasse en drive ou en sport. Neutre, reculer. Reculer, ça m'active automatiquement la caméra de recul ou les caméras 360 si vous avez l'option. Parking. J'ai le auto hold ici, donc qui permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à un feu, et le frein de parking. Donc je peux activer de cette façon et je désactive en appuyant sur le frein. Ici, un porte-gobelet. Donc double porte-gobelet ici. Et alors, un petit truc assez fun, c'est ça. Je peux cacher mon porte-gobelet avec cette partie qui recharge le téléphone par induction. Je pose mon téléphone ici. Soit je peux le reculer, soit je peux le ravancer. Ici, on a un grand compartiment de rangement et un port USB-C ici, donc le numéro 2 à l'avant, pour pouvoir connecter quelque chose. Ensuite, on a cet accoudoir central, donc hop, qui redescend, qui bascule et qu'on peut régler en hauteur. Pareil pour l'avoir, donc bien pratique. Et il est plutôt confortable. Les sièges ressemblent à ça, donc sur ces sièges sport aujourd'hui, donc cuir avec l'appui-tête qui avance et qui recule de cette façon. Et on peut bien sûr le régler en hauteur. Le petit logo S-Line. Et ici, donc en Alcantara et en cuir, franchement, si j'ai un siège à vous conseiller, ce serait ceux-là. Ils sont top de chez top. La portière, hop, comme ça. Ah oui, je vous montre un petit peu le bas aussi. Donc le bas avec pareil, ces sièges port, le maintien ici, plus ceux-là avec le réglage pour les jambes. Le reste de la console centrale, alors ici, ça s'allume. Donc on a un bandeau LED qui fait tout le tour et je vous montre ça de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble de nuit. La boîte à gants, qui est assez grande, avec une finition intérieure, j'aime bien, c'est très doux. Et voilà pour ici, le haut rétro borderless, donc comme on fait maintenant sur le premium, très joli. Les lampes ici, toujours en tactile. On peut allumer le plafonnier ici aussi avec les touches si on veut, quand on ouvre, et le bouton SOS, et le bouton si on a un problème. Là, donc ce qui est bien, c'est qu'on tire à droite, comme je dis, moi j'aime bien. La LED blanche ici, et coucou à vous. Bon allez, c'est parti, on va l'essayer. Je pense que c'est le bon moment. Alors, regardez, je vais vous montrer les différents modes qu'on a. Donc, je vais vous passer du mode off-road, donc qui va me relever la voiture au plus haut. Donc là, ça monte d'abord l'arrière, ensuite on sent l'avant qui remonte. Et petit à petit, donc là, je vais aller positionner la voiture au plus haut pour faire du off-road. Là, la voiture est positionnée au plus haut. Donc comme on peut le voir, il y a vraiment un très très grand espace là. On a vraiment l'impression d'avoir un 4x4 et là c'est pareil. Hein. Regardez, moi je peux vraiment me mettre en dessous de la voiture. Il y a énormément d'espace. Hop. Et ensuite, je vais passer en mode sport, donc ce qui va nous rabaisser la voiture. Donc lorsque je passe en mode sport, donc dynamique, le dynamique, c'est ce qui va la rabaisser au maximum. Donc ça commence par l'avant, ça va faire l'arrière, ça rebaisse un petit peu l'avant, ça rebaisse un petit peu l'arrière. Et là, normalement, on est au plus bas. Et c'est censé faire une belle différence. On voit que la voiture est quand même différente là. Bon, donc on est rentré dans le véhicule, on a un petit peu d'éclairage blanc et lorsqu'on démarre, on passe dans une ambiance tout de suite un petit peu plus sympa. Donc avec, on a une ambiance très très sympa tout de suite si on a la musique. On a sur le côté ici donc un éclairage bleu qu'on peut personnaliser qui va faire le tour ici de l'habitacle, qui est très très joli, qui donne sur cet effet un petit peu donc alu brossé une sorte de réflexion très sympa, et surtout c'est diffus. Ok, donc là on donne tout ça. Un petit éclairage ici à cet endroit-là, le pommeau de vitesse qui est éclairé, pas d'éclairage ici et là-haut non plus.
À l'arrière, on peut voir également donc, que sur les portes arrière, on a de l'éclairage donc sur le linéaire et dans les portes. Donc sur la portière, on a la partie haute éclairée et aussi la partie basse ici qui est éclairée également. Donc là ici, on a la petite vision de nuit. On va voir si on a l'éclairage en virage. Hop, je tourne. Non, pas d'éclairage en virage, mais on a bien les feux adaptatifs, full LED. Alors, hop, les petites gouttes qui tombent. Donc voilà à quoi ça ressemble hein, lorsqu'on conduit. On peut régler bien sûr la totalité de l'instrumentation plus ou moins fort. Donc pareil, lorsqu'on tourne avec la petite molette ici. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas instantané. Ça fait un petit fondu. C'est très sympa. Les pleins phares, bon. Là, je peux pas vous montrer parce qu'on n'est pas sur des routes de campagne. Mais ces feux Matrix LED chez Audi, ça éclaire vraiment très très bien. Bon alors, c'est parti pour l'essai donc de ce Q5. Et on va commencer en full électrique. Donc, conduite V, mode électrique. Alors, on est quasiment à 100% de la batterie. Donc, je vais remettre toutes les statistiques à 0. Hop, hop, ça, 0, 0. Et on va tester donc l'autonomie en mode full électrique. Ça m'annonce 49 km d'autonomie. Il fait 32,5 degrés. J'ai réglé la clim à 22. Si je l'éteins, donc je vais passer de 49 à 58 km d'autonomie. Donc la voiture est donnée pour 61. Tout à l'heure, quand je l'ai pris, elle était chargée à 100%. Elle sortait de la prise. Elle affichait 62 km d'autonomie, ce qui est vraiment bien. Donc on va voir en réel. On va faire, là on est situé à Draveil, on va faire jusqu'à Fontainebleau en passant par tout type de route et voir ce que ça donne. Par contre, je vais me laisser la clim. Donc, climatisation, je me remets là, hop, en auto. Je vais laisser assez bas pour pas que ça fasse trop de bruit, mais il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Donc la clim, comme on le sait, ça consomme pas mal. Donc là, je suis repassé à 50 km d'autonomie. Ça tombe bien, Fontainebleau par la route avec de l'autoroute et autres, ça m'indique 46 km. Donc on va voir si on y arrive et si on arrive à faire plus. Eh bien, on essaierait de faire plus. Donc, je vais me mettre en mode EV ici. Dans mon Drive Select, je vais me mettre en Efficiency. Et puis, c'est parti. Hop. Donc, on commence comme d'habitude par la ville. Et ensuite, on va faire tout type de route en passant par des petites routes et de l'autoroute. Donc, l'électrique, l'avantage, vous savez, c'est que c'est pas de vibration. Pas de bruit, rien du tout, c'est agréable, c'est souple. On a quand même un gros bébé, ça braque pas trop mal pour la taille de l'engin. Alors on se sent haut dans ce Q5, on se sent vraiment au-dessus de la route. On a ce gros capot et en plus avec ces rappels bleus là, ce bleu est tellement beau. Je le trouve vraiment sublime. Je le vois dans les rétros, je le vois un petit peu parce que je suis positionné assez haut. J'aimerais peut-être le voir même encore un petit peu plus parce que c'est vraiment très très joli. Alors, dès que ça repart en électrique, ça repart assez bien, hein, même en efficiency. Ouais, on sent qu'il y a largement assez de puissance. J'ai plus la valeur précise en tête, 140 chevaux environ en électrique, ce qui est suffisant pour vraiment tous les jours. Et surtout, on a du couple. Donc ça tractionne bien, enfin ça motrise bien avec la voiture. C'est agréable en ville. Ça c'est le gros gros avantage de l'électrique, c'est que pour la ville, on a vraiment quelque chose de souple. Et surtout pas de bruit, pas de vibration et on ne consomme pas d'essence. Donc ça c'est un gros plus de ne pas consommer d'essence aussi je trouve. Alors effectivement, quand on achète ce genre de véhicule, le budget c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, hein, le budget essence. Mais ça fait toujours plaisir de ne pas avoir à aller à la pompe. Alors, ça ne me met pas les infos en cumulé par contre. Ah si, samedi là, j'ai avec le plein, donc là la voiture a le plein fait, j'aurai 460 km d'autonomie avec le réservoir plein et 50 km avec donc la batterie qui était chargée à fond, avec la clim qui tourne bien sûr là, bien aujourd'hui. On a le auto-hold, on a le régulateur adaptatif également. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais je peux même en ville, lorsque je suis en bus ou d'autres voitures, me mettre le régulateur adaptatif. J'ai juste à l'activer de cette façon. Hop. Et voilà. Donc là, je me mets à 50 en ville. Normalement, dès que le bus va avancer, alors, il va falloir juste mettre un coup de gaz. Et voilà. Normalement, là, j'ai plus à toucher aux pédales. Après, pareil, je peux m'activer
le maintien entre les lignes. Oups. Par contre, ça ne détecte pas encore les piétons. Donc, je peux m'activer aussi le maintien entre les lignes. On peut avoir toutes les options de conduite de niveau 2. Donc, si je le réactive, on a pas mal de piétons. On fait attention. Pour ça, en ville, c'est pas fait pour. Mais sur autoroute, on verra tout à l'heure que c'est vraiment l'idéal. Hop. Mais là, par exemple, je l'ai réactivé. Je suis le bus. Je ne touche à rien. La voiture va s'arrêter automatiquement. Et ça, dans les bouchons, c'est un régal. Surtout si vous faites de la ville, du périph ou ce genre de choses. C'est vraiment un régal. Ensuite, la voiture va se remettre à la vitesse à laquelle on lui a demandé. Bon, en ville, quand il n'y a personne, il vaut mieux conduire soi-même. Donc là, on arrive à 50 km/h. Toujours en full électrique. On peut rouler en full électrique jusqu'à 135 km/h. Ça aussi, c'est l'avantage des hybrides rechargeables. Avec des hybrides 5, ça va juste mettre de temps en temps un petit coup d'électricité, alors qu'avec un hybride rechargeable, on peut vraiment rouler 100% en électrique, que ce soit en ville, nationale ou autoroute. Et 135, c'est juste de quoi dépasser les gens à 130, donc c'est plutôt parfait. On va voir, de toute façon, on va essayer d'aller sur l'autoroute, on a une partie à 130 km/h, on va voir ce que ça donne. La suspension, donc là sur la version que j'ai aujourd'hui, j'ai la suspension réglable. Je peux l'avoir en mode confort, en mode normal ou en mode dynamique. Donc ça va permettre de jouer sur la fermeté et autres. Et pareil, donc au niveau de la direction, là selon le mode dans lequel on est, on va avoir une direction plus ou moins rigide, plus ou moins ferme lorsqu'on va tourner. Là en mode efficiency, on a vraiment une direction qui est très facile à manier. Pareil, chez Audi, ça s'adapte selon la vitesse. Ça, c'est quand même un vrai plus. On a vraiment un bon feeling dans les nouvelles voitures. J'adore quand ça relance. Et même si j'accélère un peu plus, ouais, ça relance vraiment bien. Au final, j'étais même pas à fond sur la pédale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez à fond aussi, donc au kickdown, le petit clic que vous entendez au fond de la pédale, ça, ça va redémarrer le moteur et ça vous donnera la puissance maximum tant que vous restez appuyé. Mais si vous n'allez pas jusqu'à ce clic, vous pouvez vous approcher à fond, mais tant que vous ne cliquez pas, vous resterez en électrique. Et ensuite, on peut aussi utiliser le mode hybride, donc qui va servir aussi une fois qu'on n'aura plus de batterie. Ce sera le mode hybride qui fonctionnera comme une voiture hybride normale où il n'y a pas de grosse batterie derrière. Ou sinon, on peut également utiliser le mode où on recharge la batterie lorsqu'on roule, qui va consommer plus d'essence. Mais par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, vous dites « bon bah quand j'arrive en ville, je veux rouler en électrique », vous mettez le mode charge. En roulant, vous pourrez arriver en ville avec de l'électricité. Ou sinon, si par exemple vous avez rechargé la batterie, ou, je sais pas, vous êtes par exemple en Normandie, vous voulez rentrer à Paris, il y a de l'autoroute, pas utile de mettre de l'électricité sur l'autoroute puisque les voitures sur autoroute ça consomme plus tant que ça. Vous pouvez garder avec le hold, donc lorsqu'on appuie ici, on aura le choix. Alors, il faut bien appuyer sur la touche, le battery hold, donc ça vous dit conserver la charge de la batterie. C'est-à-dire que sur autoroute et sur route, vous allez rouler en thermique et lorsque vous allez rappuyer sur le bouton EV, eh bien vous allez repasser à ce moment-là en mode full électrique. De 50 à 130 km/h, lorsqu'on va relâcher la pédale d'accélérateur, on va être en roue libre, ce qui va permettre en roue libre de consommer le moins possible. Pareil, en électrique, lorsque vous êtes sur le roue libre, ça va rouler tout seul, donc vous pouvez accélérer, anticiper. Ça, ça va permettre aussi d'augmenter l'autonomie qu'on va avoir plutôt que se mettre au régulateur tout le temps. Donc, on va accélérer un petit peu, on va se mettre en roue libre, on va réaccélérer gentiment plutôt que de rester à une vitesse stabilisée où le moteur va toujours envoyer de l'électricité. Ça peut jouer, vous arrivez à une descente, vous laissez en roue libre, en bas, vous réaccélérez un petit peu. Et ça, ça va nous préserver aussi l'autonomie. Par exemple, là j'accélère un petit peu, si je relâche, alors là il y a un petit peu de frein moteur, mais si je passe au-dessus de 50, donc on voit 50, hop, 50 pile poil, là j'ai vraiment le roue libre. Alors, bon, un feu malheureusement, donc pareil, on n'a pas de freinage régénératif avec des palettes ou de mode B. On est sur une Audi, on a soit un mode drive, soit un mode sport. Donc si je retire une fois vers moi, ce sera un mode sport. Les palettes ici, elles servent juste à faire fonctionner la boîte de vitesse qu'on a. Donc on a une boîte de vitesse 7 rapports, mais pas de mode de régénération ou de conduite à une pédale. Et regardez, en accélérant à fond, en full élec, bah ça marche bien, hein, je suis déjà à 50, 50 60. Waouh, c'est tellement confortable qu'on ne sent pas la vitesse. Vraiment...
très très sympa ces nouvelles Audi hybrides rechargeables. On a fait le Q3 sur la chaîne également. Alors je ne sais pas si le Q3 va sortir avant celle-ci ou après celle-ci, mais on sera aux alentours. Mais c'est un gros plus. On a essayé le Q4 également. Au final, moi j'aime vraiment beaucoup l'électrique. Et ça reste encore pour moi, de nos jours, là en 2021, le meilleur compromis d'avoir une hybride rechargeable. Parce qu'on a tous les avantages de l'électrique et on a tous les avantages du thermique. Donc, on a de la puissance, on a de l'autonomie. 50 km, je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui fait plus que ça par jour. Ça reste l'idéal pour moi. Bon, on va se tester aussi donc le mode dynamique, voir ce que ça donne. Donc hop, dynamique ici. Donc dynamique, ça me rabaisse un petit peu la voiture. Ça me réactive le mode essence. Et on sent qu'on a une grosse voiture quand même. Mais la voiture, elle prend pas de roulis. Et même si je fais ça, oh, le châssis, c'est excellent. Ça tient bien, moi j'ai un bon maintien dans les sièges, dans ce gros rond-point hein. Et sur le changement d'angle, en y allant fort, c'est impressionnant. Bon, je repasse tout de suite en mode efficiency et en EV, et c'est vraiment pas mal. On va essayer tout à l'heure sur des petites routes un petit peu sinueuses, voir ce que ça donne, mais en tout cas le châssis a l'air très très bon. Bon, toujours en électrique, on relance pour aller se mettre à 90. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a la lecture des panneaux, le régulateur s'adapte automatiquement à la bonne vitesse. À 90, toujours pas de bruit de moteur, pas de bruit du vent. C'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. On a juste un peu de bruit de roulement. Alors, ce qui est un petit peu normal, vu la taille des jantes, on est sur du 21 avec des flancs assez bas. Ça reste assez bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Et surtout, c'est très confortable. Donc là, j'ai mes aides à la conduite, mon régulateur adaptatif. C'est quand même un vrai plus tout ça. Ces technologies, moi j'adore. Alors je viens de découvrir un truc super intéressant, c'est si j'accélère et que je relâche, par exemple là je vais m'approcher du véhicule de devant, ça passe en roue libre. Mais par contre, le roue libre, si je m'approche du véhicule de devant ou si le véhicule de devant freine, eh bien ça va ralentir la voiture même si je n'ai pas activé le régulateur. Ça, c'est un vrai plus. Parce que si on ne fait pas attention, on se dit allez hop, on laisse en roue libre, et bien dès que ça ralentit devant, ça va vous ralentir le véhicule. Ça, j'aime beaucoup par contre. C'est un vrai plus. Allez, on va passer à 110. Je relance gentiment. Le but, c'est de préserver l'autonomie aussi. Donc on va essayer de faire le maximum possible en électrique. Et donc là, j'arrive à 110. Donc je réactive mon régulateur. Comme je vous disais, le régulateur connaît les limitations de vitesse et il va aller se mettre à 110. Si c'est 110, quand ça passera à 130, il se mettra automatiquement à 130. Alors il faut faire attention parce que des fois, il y a des petits changements qui se font sans qu'on le veuille. Des fois, quand il reconnaît un bout d'autoroute, il se dit c'est autoroute, il passe à 130, alors que non, en Ile-de-France par exemple, il y a des bouts à 90 ou autre. Il faut faire attention à ça. Donc à 110, on est dans le calme, c'est bien insonorisé, il y a très légèrement du bruit du vent. Un petit peu autour du pare-brise, mais c'est très très léger à 110. On n'a pas de bruit de moteur, pas de vibration, c'est confortable, toujours en mode efficiency. On a pas mal de bruit de roulement. Alors c'est la seule chose que je remarque avec cette voiture. Après, le fait que ce soit aussi une voiture électrique, on remarque un petit peu plus eh bien tous les bruits environnants, puisque en fait il n'y a pas du tout. Donc là les panneaux ont affiché 130, donc la voiture va se mettre automatiquement à 130. Ça, c'est vrai que c'est un plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en roulant à 110 ou à 130, la batterie va vraiment diminuer énormément. Ce genre de voiture, ça adore être en ville ou sur des petites routes à 70-90. C'est là où ce sera le plus efficient. Sur autoroute, là, comme c'est un gros bébé, c'est volumineux, il y a beaucoup de vent qui tape dessus. Donc, c'est pas vraiment l'idéal pour cette voiture. Ça peut le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est à 130 km/h et je suis toujours en mode full électrique. 130 comparé à 110, on a légèrement du bruit du vent. Là sur le haut, très très léger. Comparé à beaucoup de voitures, c'est quand même beaucoup mieux. Toujours légèrement ce bruit de roulement qui résonne un petit peu dans la voiture. Si on se met un petit peu de musique, on l'entend déjà beaucoup moins. Mais ça reste toujours très très confortable. Voilà.
mais par contre l'autonomie elle descend à vue d'œil en étant à 130 km/h, donc je vais me remettre à 110 parce que je suis pas pressé, moi je me balade. Et comme je disais, on va essayer de préserver au maximum cette autonomie, voir combien on peut faire, mais en restant à des vitesses correctes. De toute façon, on sort à la prochaine sortie. Bon, pour tout vous dire, normalement, il y avait 43 km en partant. Je me rajoute du trajet, puisque la batterie tient bien mieux que prévu. J'en suis à 44 km là bientôt. Regardez, je vais prendre encore le chemin le plus long qui me rajoute la distance, puisque au bout de 44 km, il m'indique qu'il me reste encore 20 km d'autonomie, alors qu'en partant, ça me disait 50. Donc là, on est parti pour faire 64, d'après ce que ça me dit. J'ai laissé la clim tout le long. Lorsque je l'active, ça me rajoute encore entre 3 et 4 km, en ayant 20 km d'autonomie. Là. Donc je continue pour voir jusqu'à où je vais aller. Mais ça sent bien là, le 64-65 en ayant la clim. Et là, on a baissé un petit peu de température, il fait 29 ici dans la forêt. On est parti avec 32,5. Bon, bah, restez là pour savoir combien on va faire d'autonomie, mais ça paraît intéressant. Hein. C'est annoncé 61 en WLTP. On est quand même vraiment bien là, si on continue comme ça. Bon, après 59 km d'autonomie, ça m'affiche Géro, il me reste encore un petit peu d'électrique. Bon, là, ça descend en plus tout le long. Donc, vraiment pas mal. J'ai laissé la clim tout le long, ça fait 1h08 que je conduis. En 1h08, j'ai fait 59,2 km en full électrique, alors que ça m'annonçait 50 avec la clim. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire au moins 5 km de plus si on n'avait pas mis la clim. 5-6 km, ça prend au moins 10%. Puisque même, non, je ne vais pas désactiver maintenant, ça ne servira à rien. Mais voilà, en gros, 60 km. En partant de Draveil, en faisant des tours aux alentours de la forêt de Fontainebleau, dans la forêt à 80 km/h, 60 km. Pas mal, avec une température extérieure de 30 degrés. Bah, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on va repasser en hybride. Donc là-bas, il y avait une grosse descente pour bien finir ce dernier kilomètre. Donc ça revient à 1 km. Vraiment pas mal, c'était agréable, facile à conduire. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le mode roue libre avec la récupération et le freinage automatique lorsqu'un véhicule devant freine. Alors par contre, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Ça ralentit seulement quand ça roule un petit peu. Là, j'ai mon auto hold. Et pareil, donc à l'arrêt, même quand on repasse en hybride, on sera à l'arrêt avec le moteur coupé. C'est un véhicule hybride, en gros, lorsqu'on n'a plus de batterie. Mais il reste toujours un petit pourcentage de batterie dans la voiture. Bon, là, on va pouvoir traverser Fontainebleau. Encore un petit peu en électrique. Gros dodane. Alors, la suspension est très confortable sur ce genre de gros dodane. Par contre, sur certains défauts, où des fois, c'est les plaques d'égout et autres, on les sent quand même un petit peu. Alors, ça, c'est dû aussi aux jantes 21 pouces, où ça tape un petit peu plus. J'aurais aimé peut-être un poil plus confortable. Alors, là, c'est parti maintenant donc en version hybride. Batterie finie, environ 62 km atteint puisque j'ai retraversé Fontainebleau, c'est resté en électrique. Donc là, j'ai le moteur démarré. Alors ce qui est bien, c'est que tant que je n'appuie pas ou je ne le sollicite pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y a un moteur qui est démarré. C'est très calme, c'est agréable toujours, toujours en mode efficiency. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, allez, on passe à 80. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que là maintenant avec l'hybride, ça va relancer correctement. Hein. On a de la puissance. 367 chevaux, c'est quand même très sympa et très agréable. On a du couple, on a toujours l'électrique qui amène ce couple instantané, où ça va relancer plus vite qu'une voiture normale. Et ensuite, on a le moteur avec le turbo là qui nous emmène. Et c'est quand même vraiment agréable. Donc en étant à 70, moteur démarré. Alors, bah, là il s'est coupé par exemple. C'est ça les joies de l'hybride. Alors je réaccélère un petit peu. Allez, à 70, je suis en dessous des 2000 tours. Je vais être à 1700-1800 tours. C'est calme, agréable. Toujours un peu de bruit de roulement, donc dû à ces grosses roues hein, qui jouent un petit peu. Sur ces petites routes, ça reste toujours confortable. C'est pas des routes ultra dégradées là non plus, mais c'est pas une autoroute. La direction
est toujours agréable, donc en mode efficiency. Et ensuite, donc, on peut paramétrer les modes et les drive select, donc ici. Donc, on a aussi le mode confort. Donc, le mode confort, c'est un peu la même chose que l'efficiency. On a peut-être un petit poids plus de répondants. Après, il y a le mode auto. Donc, c'est la voiture qui va s'adapter en fonction de votre conduite. Et le mode dynamique. Le mode dynamique, ça rabaisse la voiture au plus bas. Donc, on a plusieurs niveaux de suspension. Et là, on sent que la voiture, elle est devenue tout de suite un petit peu plus réactive. La direction, elle a un feeling différent. La suspension est devenue plus dure et la voiture s'est rabaissée. Donc là, pareil. Ah oui, on a tout de suite beaucoup plus de répondants. La boîte est passée en S, donc on peut passer la boîte en S dans n'importe quel mode. Mais là, une fois que tout est en dynamique, ouais, ça n'a plus rien à voir. Au niveau du répondant, c'est très très agréable. Et par exemple, donc là, on n'a personne. Je vais tenter une accélération un peu plus franche. Donc là, je m'arrête. Allez. Ouf. Ah ouais. 80. Ah, ça m'a fait le petit truc dans le ventre là, à l'accélération. Vous savez, là, comme dans les manèges. Ah, je pensais pas que ça allait accélérer autant. Bah, je suis surpris. Et ça marche bien, c'est agréable. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, je vais me remettre. On peut se mettre en dynamique, donc avoir la puissance du dynamique, le répondant dynamique, mais avec la boîte en mode normal, en mode drive. Mais on peut se remettre en mode sport. On peut également passer les rapports avec les palettes. Là, par exemple, je suis en 2. Ah ouais, ça envoie quand même vraiment. Ça reste quand même là, ce 55, une motorisation à caractère un petit peu sportif quand même. Et ce qui est bien, alors, je ne sais pas si vous l'entendez, écoutez, je le refais là. Vous entendez la dumbbell là, c'est quand même assez marrant. Bon, allez hop, jusqu'au petit virage, on va se remettre en mode efficiency. On n'a pas besoin de consommer à mort. Et là, la voiture repasse en mode calme et tranquille. Le mode roue libre, on le retrouve également lorsqu'on est en thermique, on ne l'a pas que en électrique, donc au-dessus de 50, si je relâche, la voiture coupe le moteur et elle se remet en mode roue libre. Donc pareil, on peut faire des économies de carburant aussi lorsqu'on est en mode thermique ou en mode hybride. On n'est pas forcément obligé de le faire seulement avec le mode électrique. Bon, là, j'ai mes petits virages qui arrivent, donc je vais me mettre en mode dynamique. Donc là, la voiture se rabaisse et bon bah c'est parti. Allez, oups, j'ai le téléphone qui a dégagé. Au freinage, on sent qu'on a une voiture un peu lourde. Oh, la direction est top. On a un freinage très progressif. Ça s'ouvre un poil. Oh, le châssis est quand même vraiment très très bon là. Oh, je suis bluffé. On a quand même un bon freinage. Ah, ça tient bien. Oh, le quattro, qu'est-ce que ça motrice. Oh, je suis bluffé. Parce que au final, c'est pas une vraie sportive, mais. Ah ouais, ça y va très très bien. Ah, je suis quand même assez impressionné là. Donc, allez, pied dedans. Ah, ça y va vraiment bien. Ah, je suis agréablement surpris par cette voiture là. Gros freinage, très très gros. Alors, on n'a pas une pédale qui où c'est mordant, c'est vraiment, on se dit pas que c'est une voiture à caractère sportif, mais voilà, ça freine bien, on a une bonne accroche, même en virage là, très léger sous virage, mais la réaccélération, le quattro, c'est une efficacité. Oh, si on appuie un peu sur les freins, ça s'ouvre un petit peu moins, on la place bien et oh là là, et sortie de virage. C'est hallucinant. Franchement, belle surprise. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce caractère sportif-là, il se fasse ressentir comme ça. Et on peut limite se faire plaisir avec. Par contre, là, le côté hybride, écologie, tout ça... C'est fini. Hein. Oh. Non, mais qu'est-ce que ça marche? Je suis vraiment sur le cul. C'est... beaucoup cette voiture parce qu'on peut faire un bon trajet en électrique et quand on veut s'énerver,
Mais le répondant est quand même là. Hein. La boîte est assez rapide. Et ben, c'est bien sympa. Alors, on a également un mode off-road ici. Alors, j'ai pas vraiment de route où aller, parce que bon, bah, les chemins, etc., c'est fermé. Le mode off-road, ce qui est bien, c'est que ça va désactiver donc les aides à la conduite, etc. Donc, pour ne pas que ça vous stoppe à des endroits quand vous êtes sur des chemins ou autre. Bon, allez, par exemple, là, hop, je sors de la route. Ah, ça met une suspension confortable. Je remonte sur la route. Ça me désactive l'ESP, ça me désactive tout pour pouvoir aller justement dans le gravier, etc., faire glisser un peu la voiture, la placer comme je veux. Et surtout, ça me la remonte au plus haut. Pareil, on garde toujours beaucoup de couples et beaucoup de répondants. J'aurais bien aimé essayer en off-road, mais je vais essayer de ne pas l'abîmer parce qu'elle est quand même très très jolie avec ses jantes. C'est pas fait pour, mais pour faire du tout chemin, ce sera normalement sans souci. Bon allez, maintenant, c'est l'heure du retour. J'ai remis tous les compteurs à zéro et on va voir ce que ça va donner niveau consommation, donc en mode thermique, enfin en mode hybride, puisque une fois qu'on n'a plus d'essence, ça devient un mode hybride. Ou sinon, on peut, si on souhaite, recharger la batterie en roulant. Mais pour moi, ça n'a pas forcément grand intérêt de recharger, consommer plus d'essence pour pouvoir avoir d'électricité. Le mieux, c'est quand même de recharger à la prise à la maison. Donc, on se fait le retour en hybride et on voit niveau consommation ce que ça va donner. Alors là, j'ai traversé un petit peu Fontainebleau, j'ai refait des petites routes moyenne à 5,8 litres en essence. Et donc là, on se retrouve sur l'autoroute. Donc, on va reprendre un petit peu de rythme. Alors là, j'ai le moteur démarré. On entend un petit peu le moteur. Alors, ce qui est marrant, c'est quand vous mettez gaz et que vous relâchez, il y a toujours cette petite dump valve là, qui est assez marrant, qui donne ce côté un petit peu voiture sportive. Bon, par contre, voilà, si j'ai besoin d'accélérer vraiment, pied plancher, je m'insère absolument sans aucun souci. À 110 km/h. On est à 2000 tours, on n'entend quasiment pas le moteur, c'est pareil, ça reste quasiment aussi silencieux que si on avait été en électrique, donc c'est agréable. 117, allez, on va aller se mettre à 130, ce qui est bien, c'est que niveau relance, s'il y a besoin, ça relance franchement bien. Donc là, j'arrive à 130 km/h. Légèrement du bruit du vent autour, on sait qu'il y a un moteur qui est démarré, mais à part ça, au final, c'est quasiment toujours aussi bien insonorisé, aussi calme dans l'habitacle que lorsque j'étais en électrique. Juste voilà, on sait qu'il y a un petit moteur qui est démarré, alors on n'a pas de vibration ou autre, mais lorsque voilà, on accélère un petit peu, où il y a des petites phases où ça monte un petit peu, on sent qu'il y a un moteur qui est là, mais ça reste toujours du premium, hein, donc dans du premium. Ce qu'on veut, c'est du confort, c'est pas forcément entendre le moteur, on veut que ça roule et que ça roule bien. Et là, on va dire qu'on a vraiment tous les ingrédients du premium. On a une belle voiture, on a une voiture de luxe, on a un bel intérieur, des sièges assez sport qui ont un bon maintien, qui sont confortables. Et on a de la puissance, parce que le premium aussi pour moi, c'est ça, c'est la puissance. Alors, c'est pas de la puissance pour avoir des chevaux pour aller vite, c'est de la puissance pour du confort en fait. Lorsqu'on a besoin d'accélérer, de doubler, et ben on a du confort, on a du répondant, on double. Et en fait, c'est ça pour moi, d'avoir quelque chose de mieux que les autres. C'est, il faut que ce soit mieux, il faut que ça accélère mieux, il faut que ça aille plus vite, il faut que ce soit plus confortable. Et là, on a un petit peu tout. Pareil, là, au niveau des enceintes, alors on n'a pas de son Harman ou autre chose. La sonorité est bonne, on a la radio DAB. Moi, j'écoute FG Chic ou Radio Monaco, ça se passe très très bien. Voilà pour cet essai. Donc au final, là j'ai remonté un petit peu au niveau de la consommation. Je suis à une moyenne de 6,3 litres maintenant, ce qui reste plutôt contenu. Alors, j'ai découvert un truc aussi, c'est la voiture vous demande des fois de relever votre pied pour prédire le roue libre, parce qu'avec la navigation, elle sait lorsqu'il va y avoir des ronds-points, elle sait quand ça va monter, quand ça va descendre avec la cartographie. Et vous ressentirez un petit léger à-coup dans la pédale d'accélérateur qui va dire hop, relève ton pied, et avec l'affichage juste ici qui va dire relève le pied, puisque là autant tu peux te mettre en roue libre, et ça permet bah, là aussi de faire des économies. Donc ça s'adapte, on l'a pareil, la pédale qui se relève, c'est la première fois que je le ressens.
Sinon, pareil dans le Q4 et le Q3, donc qui était hybride, je ne l'avais pas ressenti. Mais là, on a vraiment un petit à-coup dans la pédale qui dit hop, 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 relève le pied. Moyenne au total, donc en étant revenu 6,1 litres aux 100 km, donc en ayant fait un petit peu d'autoroute, là on est dans les bouchons. Enfin, je suis dans les bouchons, vous suivez ça avec moi. C'est horrible la région parisienne pour ça. Et c'est là aussi pour laquelle l'hybride, c'est franchement l'idéal. Puisque là, ça consomme pas, je suis à l'arrêt, le moteur est éteint, j'ai la clim, j'ai tout ce qui va bien, plutôt qu'un gros start and stop. Alors c'est voilà, c'est vraiment un vrai plus et un confort. Et pareil, quand je redémarre, ça redémarre en hybride. Et là, à partir du moment où je sollicite un poil plus, eh bien, ça revient en thermique. Bon allez, on se fait un petit débrief sur tout ça. Bon alors, ce Q5 Sportback, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est une bonne voiture. Alors, moi, ce que j'adore surtout, c'est cette couleur. Aujourd'hui, là, ce bleu, il est magnifique. Le Q5, j'avais jamais essayé ce genre de SUV de la part d'Audi. J'ai bien aimé, ça se conduit très très bien. Le fait que ce soit une version hybride rechargeable, c'est encore mieux. Comme vous le savez sur la chaîne, on essaye beaucoup de véhicules PHEV, voire électriques. Et alors, je trouve que ça a vraiment tous les avantages, ça consomme moins, ça donne plus de couple, ça donne plus de répondance, c'est plus instantané. C'est tous les avantages d'une voiture, en fait. Comme on a pu le voir également, l'autonomie était vraiment bien, plus de 60 km en full électrique. Ça, c'est un gros avantage. Si on sait optimiser tout ça, eh ben, au quotidien, ça fait que c'est vraiment très agréable. D'une, parce qu'il y a le confort, il y a le silence. Et c'est un petit peu ça pour moi, le premium aussi, c'est le confort et le silence. Alors même si on veut le côté sportif, eh bien là, avec les 367 chevaux, ça marche quand même plutôt bien. Donc au final, tout qui est réuni en un. Alors le Sportback, l'arrière, alors ça, ce sera vraiment une question de goût. Moi, je suis encore en hésitation. Est-ce que j'aime ou je préfère la version normale? Ça a son style. En tout cas, voilà, ça caractérise vraiment votre voiture d'avoir une version Sportback. Le petit désavantage pour moi, c'est pour les places à l'arrière, si on est très grand, alors on va toucher un petit peu l'arrière si on ne met pas l'appui-tête, ou ça réduit un petit peu l'espace dans le coffre. Le coffre, j'aurais peut-être aimé, alors pour une aussi grosse voiture, qu'il soit un petit peu plus grand, mais effectivement, on a les batteries sur cette version PHEV qui nous enlève un petit peu de volume à l'arrière. Sinon, niveau conduite, niveau feeling, etc., c'est sportif, c'est répondant, c'est une bonne tenue de route. Peut-être le freinage, j'aurais aimé, puisque comme on a des chevaux, alors ça freine bien, mais peut-être un poil plus de mordant pour que ça amène ce côté un petit peu plus agréable en conduite dynamique. Sinon, parfait, la suspension adaptative, etc. Une très bonne voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, est-ce que vous choisiriez celui-ci, donc en version Sportback ou le Q5 normal, ou est-ce que vous prendriez une version diesel, essence, ou cette version hybride rechargeable. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.